Good morning. Allez, Iden et Sisra, aujourd'hui, le Lunishma Janin Rut, Bad Fortune, Mazal Fritna, le Hayabet Mazal Tov, Lucien Betvena, Klo Shomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Gitin, Perek Vav, Mishnah Aleph, Haomer, Itkabel, Getzele, Ishti, Ooler, Getzele, Ishti, Imratza la Chazor, Yachazor, Aisha, Shamra, Itkabel, Ligiti, Imratza la Chazor, Lo, Yachazor, le Fikach, Imamaro, Abaal, Ifshish, et Kabel, la. אלא הולך ותן לה, אם רצה לחזור, יחזור. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף האומרת, תול לי גיתי, אם רצה לחזור, לא יחזור. Une Mishnah avec un principe très très simple, on revient d'abord. Sauf, après deux parakim, on s'est beaucoup éloigné du sujet de Gitin. On revient maintenant sur le sujet du Get. Avec, à présent, on va s'intéresser de la Shlichut. Un envoyé, un émissaire pour soit apporter le Get, soit aller chercher le Get. Apporter le Get, ça signifie que c'est le mari qui envoie le chaliar, et aller chercher le guet, c'est la femme qui envoie un chaliar. Le principe, je vous le dis tout de suite, c'est très très simple. On va s'intéresser dans notre Mishnah à savoir, est-ce qu'une fois qu'on a envoyé le chaliar, on peut regretter, lui dire non, reviens finalement, je ne veux plus le divorcer, ou bien je ne veux plus, ouais, est-ce qu'on peut ou pas? Et le principe, il est très simple. La question, elle est de savoir, est-ce que, au moment où le mari a donné le guet, la femme a déjà divorcé? Pour qu'elle divorce, il faut que ce soit nécessairement le chaliar que la femme a fait pour recevoir le guet. Donc maintenant, la personne qui arrive pour que je donne le guet, c'est le chaliar de la femme. Je considère ce chaliar comme ma femme, concrètement, puisque c'est son envoyé. Dès que je vais lui donner le guet, elle va être divorcée. Si elle est divorcée, je ne peux plus reprendre ce guet, c'est trop tard. Alors que, si je vais moi envoyer un chaliar, ou encore ma femme qui va m'envoyer un chaliar, qu'en lui précisant que sa shlichut, sa mission à faire, c'est de prendre le guet pour le lui apporter. Donc en fait, elle m'a tout simplement apporté un chaliar que je vais désigner moi-même chaliar pour apporter le guet à la femme. Dans ce cas-là, je pourrais récupérer le guet. D'accord, c'est le principe. On a fait toute la Mishnah oralement, et maintenant on va voir ça dans les mots. Aomer itkabel get zel ishti. Celui qui dit à un chaliar, tiens, reçois ce guet-là pour ma femme. Ou encore, o holer get zel ishti. Ou encore, va porter ce guet à ma femme. Donc, là, on a même un ridou supplémentaire, que j'ai voulu que le chaliar reçoive le guet pour ma femme. Mais c'est pas à moi de le désigner chaliar pour qu'il reçoive le guet. Moi, je peux le désigner chaliar que je veux porter le guet à ma femme. Est-ce qu'elle va divorcer ou pas? C'est elle qui doit le faire. Si elle n'a pas envoyé un chaliar, même si je dis, tiens, reçois ce guet, ça ne suffit pas. La femme n'est pas encore divorcée jusqu'à que le guet. Il me reste à la chazor. Il y a chazor. Si jamais le mari, une fois qu'il a envoyé le guet, décide de revenir, il regrette. D'accord, il revient sur sa parole, il ne veut plus l'envoyer, et bien Yarzor, il pourra récupérer le guet, et la femme ne sera pas divorcée, il n'y a aucun problème. À la différence du cas où, Ha'isha Shamrait Kabel Ligiti, si la femme, elle a nommé un chaliar, un émissaire, pour que Hitkabel, les Kabel, pour recevoir le guet, alors Imrasa la Chazor, lo Yachazor, si le mari va vouloir ensuite récupérer le guet une fois qu'il l'a donné pour lui dire non, je ne veux plus la divorcer, lo Yachazor, il ne pourra plus la revenir en arrière. C'est trop tard, elle a déjà été divorcée depuis le moment où tu lui as donné le guet. L'efficach, de ce fait, im amar lo ba'al, si il y a eu maintenant, la femme, elle envoyait un chaliar pour recevoir le guet. Et quand le chaliar arrive, tu dis, ah, elle veut recevoir le guet, moi je ne veux pas qu'elle reçoive le guet. Moi je veux que toi, tu vas lui porter le guet. Je veux changer le rôle, au lieu d'être un émissaire de réception, tu es un émissaire pour apporter. D'accord? Donc le fikar imamar lo abal, si le mari lui dit ifshi shetekabel, je n'accepte pas que tu reçoives le guet pour ma femme. Et la holech vetenla, apporte-lui et donne-lui. C'est-à-dire, tu ne sois pas le chaliar de la femme, mais sois plutôt mon chaliar. Alors dans ce cas-là, imrasa la chazor yachazor. Si une fois que tu lui donnes le guet, tu veux revenir en arrière, eh bien tu pourras revenir en arrière et annuler cette shlichut. Rabban Shimon ben Gamliel omer, selon Rabban Shimon ben Gamliel, il va me dire que quoi? Même la femme qui va dire, prends-moi le guet, prends-moi, elle n'a pas dit itkabel, reçois, mais elle a dit, prends-moi le guet, s'il voudra revenir en arrière, il ne pourra plus revenir. Le principe de Rabban Shimon Gamliel, c'est juste de nous apprendre un nouveau sujet, une nouvelle terminologie. Jusqu'à maintenant, on avait un chaliar kabbala pour recevoir, un chaliar netila, un chaliar pour saisir. Tol, ça veut dire va saisir, litol. Comme Netilat Edem, si on prend
C'est un peu compliqué à comprendre pourquoi on utilise le mot netila dafka. C'est à cause du natla. D'accord? Parce qu'on dit le natla, l'ustensile, c'est l'ustensile avec lequel on fait netila, mais ça s'appelle une natla parce que c'est quelque chose qu'on saisit. L'itol, c'est saisir quelque chose. La femme, elle a envoyé un chaliar pour dire tiens, va me chercher mon guet. Elle n'a pas dit va recevoir mon guet. Va me chercher mon guet. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais va être l'itol, va saisir mon guet. Alors, Rabbi Shimon Gemelel me dit, sache que ce terme-là, c'est aussi un terme de Kabbalat, Kabbalat Get. D'accord? C'est juste un problème de terminologie. Et la halakha est sur ça, elle établit aussi comme Rabbi Shimon Gemelel, qu'effectivement, c'est un bon lachon, et le shaliach et les shaliach Kabbalah. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Seah.